Alors salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Super Hang-On, Super Hang-On, jeu de moto arcade. Pour moi c'est tout simplement le meilleur jeu de moto arcade qu'on a jamais vu, allez avec Manix TT. Le paradoxe de la situation, c'est que cette borne arcade, donc avec un guidon, je l'ai possédée moi jadis, et je l'ai vendue pour acheter une double Sega Rally. Bon ok ça va, allez on me pardonnera, sauf que maintenant je l'ai plus, je la regrette à mort. Ouais ok, je sais jouer un peu sur ma borne là, ouais, mais ça se joue pas au stick, ça se joue au guidon. On sait bien sûr y jouer, ouais, sur Mega Drive, c'est sympa aussi. Enfin, de toute façon, je vous dis tout dans la vidéo. À tout de suite. Super Hang-On est un jeu d'arcade sorti en 1987. Sega, créateur de cette perle vidéoludique, est en plein essor et impose son classique Sega OutRun au sommet des rankings des salles obscures. Toutefois, en parallèle avec la célèbre licence automobile, Sega veut proposer un hit équivalent sur deux roues. Le premier épisode de la série, Hang-On, est déjà un succès en 1985. Super Hang-On a brillamment repris le flambeau pour s'imposer comme un des jeux de moto les plus mythiques de l'histoire. A l'époque, cette machine arborait les salles d'arcade, les fêtes foraines et les coins sombres des bistrots. Une pièce de 20 francs belges était nécessaire afin d'accéder au menu des musiques et lancer son bolide. Notons que Yu Suzuki, évidemment, qui d'autre, est encore à la tête du développement de cette suite. J'ai évidemment déjà évoqué l'homme providentiel de chez Sega, qui avait donc fait ses débuts en 1984 avec Champion Boxing, déjà un jeu de boxe assez novateur pour son époque, pour ensuite marquer l'histoire avec des chefs-d'œuvre tels que Sega Rally, Daytona USA, Virtua Fighter, Virtua Racing, Virtua Cop et surtout le célébrissime OutRun. Pour le coup, cette suite de Hang-On arrive à un moment où le génie est en opposition avec Sega, car il estime qu'artistiquement, le concept des suites des hits à succès représente un pas en arrière. Heureusement pour nous, il va finalement accepter le défi, motivé notamment par le fait qu'il n'avait pas pu intégrer toutes ses idées dans le premier épisode Hang-On. C'est ainsi qu'il se lâchera avec cette version Super qui intègre les nouveautés qui arrive. Le jeu est donc très simple dans son évolution. Dès le début, vous êtes invité à sélectionner une musique parmi 4 thèmes d'excellente qualité. La première restera dans les mémoires de nombreux amateurs du genre Outride a Crisis. On en reparlera. Ensuite, vous avez le choix entre 4 niveaux de difficulté symbolisés par le choix d'une course sur chaque continent. Chaque tracé est différent, les décors sont adaptés à la région et la difficulté est progressive. De beginner à expert, elle est répartie par continent, à savoir Africa, beginner, Asia, junior, America, senior and Europe expert. L'objectif est simple, atteindre les checkpoints avant que le temps qui vous est imparti ne soit écoulé. Lorsque vous avez atteint tous les checkpoints d'un circuit, la course est terminée et vous obtenez un classement comparé à celui des autres joueurs en fonction de votre temps total. Si vous avez réalisé une performance honorable, vous êtes invité à inscrire votre nom au High Score Ranking, sensation de jouissance ultime qui se termine souvent par un orgasmique A. Passons maintenant à l'aspect technique du soft. On est clairement dans l'héritage donc de OutRun. D'ailleurs, cet équivalent sur deux roues en a aussi des atouts esthétiques. Chaque circuit fait honneur au paysage de son pays. Les décors affichent beaucoup plus de détails que dans le précédent opus et les tracés intègrent dorénavant des bosses et des dénivelés. Vous contrôlez votre avatar au centre de l'écran et le décor se déplace pour une sensation de vitesse topissime. Des sponsors jonchent toujours le bord du circuit et font aussi office d'obstacle. Notez que même si le jeu est objectivement en 2D, Yu Suzuki
a toujours affirmé avoir développé et imaginé ses jeux en 3D. C'est d'ailleurs la même chose pour Space Harrier et Outrun. Dès le départ, tous les calculs et les systèmes sont calculés donc en 3D. C'est pareil pour Super Hang On. Il calculait les positions, les échelles, les effets de zoom en 3D et ensuite convertissait le tout en 2D. Quand Yu Suzuki vous explique cela et que vous voyez arriver quelques années plus tard les licences Virtua, vous comprenez que le mec avait une sacrée longueur d'avance. Et les musiques, quelle folie! Les mélodies sont composées par un trio, Koichi Namiki, Katsuhiro Hayashi et Shigeru Owada. C'est le premier projet de Namiki, mais tous trois, comme d'ailleurs Kawaguchi dans le premier opus de Hang-On, sont musiciens dans des groupes. Ils ont donc composé leur musique en pensant à des performances sur scène. Dans une interview de 2016, Namiki a déclaré que lorsqu'ils ont composé les musiques, ils l'ont réellement envisagé comme une musique à écouter sur scène, pas comme une musique de jeu vidéo classique. Et ça a donné ceci. Pour ce qui est de la prise en main et la sollicitation de vos réflexes, Super Hang-On est remarquable dans son rendu de vitesse réaliste. Le décor défile à vive allure et la moto s'adapte parfaitement à vos mouvements de guidon. Lorsque vous atteignez une certaine vitesse, le display de ce même guidon clignote. Vous êtes dès lors dans la possibilité d'enclencher le Turbo Boost en appuyant sur le petit bouton rouge sous la poignée gauche. Néanmoins, cette maniabilité confortable n'enlève rien à la difficulté de ce jeu. En effet, Super Hang-On est un des jeux de moto les plus durs de l'époque et le terminer sans le moindre continu reste une performance de spécialiste du genre. Cette difficulté accrue rend ce jeu addictif, mais peut aussi être rédhibitoire pour certains. Enfin, quoi qu'il en soit, le défi est au rendez-vous. Alors dans l'élan de ce succès planétaire, le jeu a été adapté, notamment sur Sega Mega Drive, 2 ans plus tard, et a subi un lifting en 1995 pour une version Saturn, Hang-On GP 96, enfin bon, il porte 3 noms, on va y revenir. D'autres machines ont également porté les couleurs de cette licence, telles que le Commodore 64, l'Amiga, l'Atari ST, et j'en passe. Les jeux de moto ont par la suite évolué et laissé place à quelques classiques du genre, dont l'excellentissime Superbike TT Manix de Sega également. De mon côté, j'ai toujours été fan de la version Mega Drive. Elle est trouvable très facilement et rend totalement le change par rapport à la version arcade. Certes, elle a fait l'objet de quelques économies en termes de taille de sprite, ok, mais elle vaut totalement le détour. On y reviendra. La version Saturn a une particularité assez fun puisqu'elle porte 3 noms selon la région. Hang-On GP 95 au Japon, Hang-On GP tout court aux US et Hang-On GP 96 en Europe. Il s'agit ici du premier épisode en 3D de la série, développé par Genji. Franchement, il est hyper austère. La moto est rigide et le titre est complètement effacé par le sublissime Manix TT justement. Mais à force d'insistance et d'abnégation, le titre révèle quelques secrets et finira par trouver son identité pour se révéler le pendant pas si mauvais finalement de Daytona USA et Scut Race, mais en version moto, qui finalement y aurait gagné à s'appeler autrement que Hang-On, car le titre propose une expérience, ouais, différente. Alors, il fera absolument l'objet d'un test approfondi, un de ces quatre sur la chaîne. Allez, j'y reviendrai. Alors, pour Manix TT, là, le chef-d'œuvre absolu, il est selon moi à Hang-On, ce qu'est Scut Race à Outrun. L'évolution absolue du jeu d'arcade, version moto, avec une borne munie de 2 motos côte à côte, une version Saturn qui tient la route, mais ça aussi, ce sera pour une autre vidéo. Ah, aujourd'hui, bien que techniquement dépassé, Super Hang-On est toujours aussi séduisant et immersif. Il fait partie de ces titres qui ont particulièrement bien vieilli, même sur Mega Drive, et ça, c'est déjà une prouesse. Super Hang-On, en résumé, c'est choisir son thème musical préféré, mettre les gaz
et alterner les flip-flaps de gauche à droite en essayant de ne pas manger le bitume. Tout cela au gré des flashbacks nostalgiques enivrants, nourris par le souvenir des thèmes musicaux, la vitesse de défilement des polygones et surtout cet ensemble de petites choses qui signent et symbolisent une époque où les jeux vidéo étaient encore à l'aube de leur adolescence. Allez, merci à tous les amis, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur Vega TV.